Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je voulais parler d'un moyen que j'ai découvert pour détoxifier l'aluminium. L'aluminium qui est, vous allez le voir, assez omniprésent dans notre environnement. Je pense essentiellement à cause des chemtrails. Donc je pense que là, vous avez des photos. Vous voyez tous ce dont il s'agit. Ce sont des épandages de produits chimiques dans l'atmosphère par des avions, soit militaires, soit banalisés. En fait, il y a eu des analyses qui ont été faites de l'eau de pluie et des eaux de sédimentation. Et effectivement, le taux d'aluminium dans l'eau de pluie ne fait qu'augmenter. Là, donc en fait, ça a doublé en quelques années depuis 2012. Et maintenant, on est à 20 microgrammes, 21 microgrammes par litre dans l'eau de pluie, apparemment. Et donc, en fait, pourquoi ces chemtrails? Alors, j'en ai parlé un peu dans une précédente vidéo. Les chefs d'État pensent que c'est pour la géo-ingénierie, c'est-à-dire pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'en fait, en envoyant ces particules dans l'atmosphère, ça réfléchirait les rayons du soleil et ainsi ça permettrait de moins chauffer la Terre en fait. Ça participerait à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors j'ai déjà montré que en fait le réchauffement climatique est une vaste imposture et je pense que je ferai une vidéo là-dessus. En fait, je pense que la vraie raison de l'usage des chemtrails, c'est que ça crée en fait une atmosphère conductrice pour les ondes du programme ARP. ARP, donc, qui est une arme climatique qui permet de. Enfin, là, je vous invite à vous renseigner sur ce projet militaire. C'est une arme climatique, en fait, une arme aussi qui permet de déclencher des tremblements de terre. En fait, c'est un moyen de pression aux mains de l'oligarchie. Donc effectivement, l'aluminium ne fait qu'augmenter dans notre environnement, par l'eau de pluie, par l'air qu'on respire à travers ces particules. Mais je vous invite aussi à voir des documentaires. Donc vous tapez aluminium sur YouTube, vous tombez sur ce documentaire de France 5, Aluminium, notre poison quotidien. Donc vous pouvez apprendre que l'aluminium est omniprésent dans notre quotidien, donc vaccins, déodorants, maquillage, mais aussi pâtisserie et plats préparés. Et aussi l'eau du robinet. Alors ça dépend des villes, hein, mais ils se servent de l'aluminium pour blanchir l'eau du robinet en fait. Donc là aussi, vous tapez aluminium eau sur YouTube, vous allez apprendre plus là-dessus. Et en fait, l'aluminium est dangereux, c'est un dangereux neurotoxique qui peut provoquer la myofasciite à macrophage, mais aussi la maladie d'Alzheimer. Alors, comment se prémunir de l'aluminium? Donc la chlorella, la chlorella permet de détoxifier à la fois l'aluminium, mais aussi d'autres métaux lourds. Alors c'est important de la prendre bio, parce que sinon ça peut être plus néfaste qu'autre chose. Alors il y a aussi l'huile de krill qui permet de détoxifier son cerveau en fait, parce que c'est difficile de détoxifier son cerveau de l'aluminium, mais en tout cas l'huile de krill le permet. Et je vous invite aussi à vous renseigner sur le rôle du silicium pour détoxifier l'aluminium. C'est un puissant. Le silicium est un puissant détoxifiant pour l'aluminium. Voilà, que Dieu vous bénisse, à bientôt!